Vous appelez? Je m'appelle Aline. Aline, et d'où vous venez? Je viens du Liban, de Beyrouth. Yeah! Il a compris. Il a compris, le Libanais, il a entendu. Mais vous êtes connu au Liban? Oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr de vous entendre chanter comme vous chantez, de vous voir belle comme vous êtes. Merci. C'est sûr que vous êtes connu au Liban. Et c'était tellement envoûtant qu'à un moment, je me disais, mais elle est venue avec son groupe et j'ai réalisé que c'était le groupe de The Voice, les gars, bravo. Parce que vous avez fait du très bon boulot. Franchement, je suis ravi. Quand j'entends cette musique en train d'être bien chantée, c'est pas facile de diriger les instruments, parce que c'est vous. Et t'es allé dès la première phase en plus, donc c'est que t'as à la première phase, parce que j'ai entendu le rythme. Et en fait, dans la tradition des grandes chanteuses du monde arabe, Umm Kalthoum, Fairouz, c'est eux les patronnes des instruments. Fairouz, avec un petit doigt, ou même pas le doigt, elle disait « Ok, on va continuer cette chanson pour 3 heures ». Alors, maintenant, parce que je sais que ça va être la bagarre, je vais dire pourquoi moi je pense que je suis la personne parfaite pour travailler avec vous. On parle pas du sang, parce que franchement, maintenant, aujourd'hui, on vient tous un peu de partout. Et mais moi, je suis né à Beyrouth. Je suis... Escroc international, regarde, il essaie de la charmer, là. Pour moi, ce serait un très, très, très beau cadeau, votre voix, pour voir comment on peut chanter la chanson française avec une influence de votre culture qui fait aussi partie de la mienne. Waouh! Ok, on va ramener. D'abord, je suis très heureux que vous soyez ici, parce que bien que je n'ai pas le sang libanais, j'adore le Liban. Et c'est vrai que dans mon cœur, il y a autre chose que du sang qui est connecté avec le Liban. Et il y a plus que le sang qui passe par le cœur, finalement. Et tu maîtrises tellement bien ton art. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire après? Parce que je ne suis pas sûr que toujours faire ça, c'est possible pour aller jusqu'au bout de la compétition. Et c'est pour ça que j'ai attendu et je me suis dit, ah non, mais je sais, là, je sais quoi faire, je sais comment. Et j'adorerais faire avec toi. Moi, j'entends votre voix et tout de suite, je fais « Ah, maintenant, c'est pas ma culture. » Donc, c'est vrai que quand je vois Mika réagir tout de suite, je me dis « Alors, d'entrée, il sait que c'est bien placé puisque c'est plus la sienne. » Et en même temps, il y a une espèce d'envoûtement et je veux voir. Après, moi, ma question, ça serait « Vous chantez d'autres choses? Vous chantez en français? Vous chantez en anglais ?» Je chante en 8 langues. Oh là 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 là. Elle est libanaise. Oui, c'est elle est libanaise. On parle des langues. Tout ce qu'il faut pour se prendre. Et donc, ne vous trompez pas d'équipe, c'est avec moi que vous devez venir.